Et d'ailleurs, sans train, ni métro et peut-être sans carburant, pourquoi ne pas aller travailler à vélo jeudi prochain? Soyez prudents, gare aux piétons. Cohabitation compliquée dans les grandes villes et notamment à Strasbourg où la mairie justement a décidé d'agir. En installant une quinzaine de panneaux de signalisation à l'entrée des grandes rues piétonnes, message adressé aux cyclistes et levez le pied, hein, pédale douce. C'est votre reportage Europe 1 et vous, par notre correspondante dans le Grand Est, Mélina Fachin. Cyclistes au pas obligatoire, ne gênez pas les piétons. Voilà ce qu'on peut lire sur ces panneaux que beaucoup de vélos n'ont pas encore remarqué et qu'ils les surprennent un peu. On a une limite, c'est quoi, 30 km/h? Il faut rouler au pas. Pas autant marcher à pied. Ça m'arrive de rouler trop vite. Après, c'est à nous d'être vigilants aussi, mais on prévoit pas ce que les piétons vont faire aussi, donc c'est un peu compliqué. Et les piétons sont quasi unanimes. Les cyclistes ont un peu pris le dessus, voilà. Regardez la voie, par exemple. Ils passent, en plus, la marchandise et ils foncent, quoi. Pour eux, un trottoir, c'est une piste cyclable, quoi. Enfin, il n'y a pas un jour ou une demi-journée où je risque de me faire renverser par un vélo. Le nombre d'accidents n'a pas augmenté ces derniers temps, mais pour Sophie Dupressoir, conseillère municipale en charge de la ville cyclable, il faut prévenir les incivilités. Beaucoup de cyclistes ne connaissent pas forcément les règles du code de la route. Il y a un sentiment d'insécurité de la part des piétons auquel il faut absolument remédier. Et c'est écrit en bas du panneau, un cycliste qui roule trop vite risque une contravention de 35 euros. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe.